Et salut tout le monde, c'est Brudaf et nous sommes ensemble avec Chobiti pour une coop sur Wildmender. Coucou Brudaf. Alors, si vous voulez voir le petit prologue, vous pouvez aller voir sur la vue de Chobiti. Elle a fait un petit épisode découverte, mais on pouvait pas faire le prologue à deux. Non. Donc voilà. Je me suis arrêté juste au moment où on débloquait le multi. Voilà, donc on est sur sa partie. Donc on a un petit esprit ici à qui on peut parler. Alors pour l'instant il dit rien, parce que Chobiti lui avait parlé avant pour débloquer le prologue. Wildmender, c'est quoi? On est perdu au milieu d'un désert. On a une petite source d'eau qu'il va falloir accroître, avec laquelle on peut faire un peu d'agriculture. On a quelques plantes là. Et après, on a toute une histoire avec des esprits à qui il va falloir parler. On a des petits monstres, on a un petit peu de combat. C'est assez simple le combat. On a ici, c'est un portail qu'on va pouvoir débloquer pour se balader dans le monde. Et vu qu'on est dans le désert, on va surtout jouer de nuit. Alors je regarde, est-ce que c'est assez clair? Ouais, ça m'a l'air, sinon je mettrais des gamins. Alors j'ai ma faucille et j'ai ma bêche, ça c'est cool. Et donc on a une petite quête là, quête souvenir, trouver la structure de cristal sinistre interrogée avec le fragment bleu en dessous. Je me souviens pas de ce passage là moi. On doit en avoir peut-être d'autres. Ah ça serait différent. Tu peux cumuler plusieurs quêtes. Ouais. Je me souviens pas de ça, j'avais un truc où il fallait apporter un gland à la déesse. Moi je l'ai eu effectivement la première fois que j'ai lancé une partie, et là effectivement... Est-ce que je me suis arrêté avant ou pas? Je ne saurais point dire. Elle a été trop loin dans sa découverte, Chobiti, si. Non, j'ai pas fait le gland, je suis sûr de pas avoir fait le gland. D'accord. Je récolte un peu de trucs parce que je vois que t'as pas d'atelier de craft. Non, j'ai juste j'ai mis l'établi à gauche du portail, mais effectivement j'ai pas fait grand chose. Ah donc si tu l'as l'établi, il est là. Ouais, ça y est, je le vois. Alors ok, pour l'instant je peux pas faire grand chose. Pourquoi donc? On n'a pas assez de fibres végétales pour faire un bac à compost ou un panier de rangement. Ok. Alors sinon, moi je te propose d'aller faire la quête. La structure de cristal sinistre, ce serait où ce truc-là? La quête... ça doit être le point rouge dans cette direction. Ah ça y est, je vois le point de quête là, en jaune, avec le point d'interrogation jaune. Par contre, la nuit est déjà bien en avancée. Ouais. C'est un peu. Je n'ai rien à manger, je crois. Ah si, j'ai des. Tu as un petit peu de nourriture. J'ai deux fruits, ça devrait aller. On peut se collusionner. Non, qu'est-ce que je fais là? Ouais, j'ai mangé, d'accord. Je vais aller reprendre le miroir. Hop, c'est ici. Hop, il est libéré. Alors attends, parce qu'on se fait tirer dessus du coup. Ah non! On bouge pas, on le laisse charger. Ah, trop tard. Bah c'est toi qui l'attaque. Voilà, je l'ai eu. Bien joué. On récupère le Grail Silex, voilà. Ramenez le fragment que vous avez reçu dans la tour à votre compagnon spirituel dans votre jardin. Parfait. Ok, donc faut qu'on retourne à l'arbre. Comme
Comment ça, j'ai faim? Bah, j'ai faim. Mange! Ah, j'ai trouvé un gland. Ah, t'as trouvé un gland! Hop, j'ai pris une fleur de cactus pour manger plus tard. Alors, parlons. Donc, rapporter le fragment. Hop, on lui parle. Mais merci. C'était une partie de moi. Je m'appelle Vidias. J'étais autrefois un esprit dédié à la connaissance, un guide pour beaucoup. Mais on dirait que mon corps a été brisé en 1000 morceaux et éparpillé aux 4 vents. Les lacunes de mon être me sont claires. Ah, je peux plus le temps de voir là de faire. Vous avez fait preuve d'une grande générosité en me venant en aide. Tout ce que je peux vous offrir en retour. Ouais, ah, mais il va trop vite. Ouais, c'est un petit peu dommage ça. Venez me voir si vous souhaitez en apprendre davantage ou si vous voulez. Oh punaise. Bon, après, je pense qu'on peut lui reparler pour relire le dialogue. Ah non, là, il nous file d'autres quêtes. Bon, bah, vous aurez une moitié de dialogue, les viewers, désolé. Ouais. L'appel de l'aventure. Partez en exploration et trouvez des fragments de Vidias. Rassemblez-les pour découvrir ce qui est arrivé à ce monde. Les sources de nourriture. Et enfin, explorer les falaises. Ouais. Alors, il y a toujours le point d'exclamation, mais il n'y a plus de quête à me passer. Bah ouais. Mais ça, c'est bien foutu parce que du coup, t'as parlé avec lui. Certes, j'ai pas eu les petites bulles qui me disaient ce qu'il disait. Mais les quêtes sont communes, quoi. Ouais. Il est déjà presque 6h du matin. Et oui, c'est le jour où on va commencer à prendre cher au niveau de la soif. Je vais aller ramasser les petits trucs. Tant qu'il fait pas encore trop chaud. Ça y est, soleil brûlant. Après le soleil brûlant, il y a quand même moyen de rester un peu dehors, mais... C'est les tornades qui sont un petit peu plus chiantes à esquiver quand t'es dehors. Ouais. Après les tornades, on peut... Bon, si, tu peux quand même les esquiver ouais. Facilement. Mais... Alors ici, il y a une source mystique obstruée, mais pour ça, on n'a pas encore découvert la déferlante. Et ici, on a une stèle d'âme. Oh. Souvenir obtenu. Cool. D'ailleurs, au niveau des souvenirs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de débloquer des choses ? Moi je débloquerais bien sa fabrication artisanale, mais on n'a pas. Outils en silex, menuiserie et ornements, on n'a pas assez de souvenirs là-dedans. On n'a pas assez. Après, j'imagine que les souvenirs doivent être communs. Ah, je pense, ouais. Sinon, ce serait un peu trop facile. Bon, je vais aller dépioter le chêne mort. Par contre, on peut pas dormir tout de suite. Je crois qu'il faut qu'on attende un peu avant de pouvoir se mettre au lit pour faire passer le temps. Ah, il est costaud le chêne. Ah bah c'est un grand chêne.
Ah, qu'on pense aussi à planter des trucs dans, le... ouais. dans la terre. Après, on n'est pas obligé de le détruire, l'arbre. On peut, quand on a le... suffisamment de... débloquer de skills, on peut le ressusciter. Oh, le ressusciter. Allez, moi je fais ma gourmande, j'ouvre un coffre antique qui permet d'avoir une clé runique, un peu de cuivre et des graines d'amarante. Et les graines d'amarante, on en a besoin dans une quête, justement. Ouais. Ça. On va lui filer à boire, lui. Avoir faim comme dans la vraie vie. Et ben c'est du propre. Vu qu'on a qu'un seul endroit pour dormir, j'espère au moins que tu ronfles pas. Et effectivement, du coup, on va pouvoir valider la quête Amidon durable. Bande de planter une graine d'amarante. Alors, je peux faire ça, on peut faire ça. Est-ce que je vais pouvoir faire les deux? Je ne pense pas. Je vais d'abord créer le panier de rangement. Alors, on va la planter par ici. Comme j'ai des petites sœurs, on va les planter de côté. Ah si, je peux faire les deux. J'arrose. Voilà, c'est tout planté. Voilà, et nous on a un bac à compost et un panier de rangement. Oh. Alors c'est assez bizarre parce que justement je suis censée avoir débloqué les recettes et moi elles apparaissent pas dans mon établi donc. Je sens que ça va être toi qui vas construire. Planté. J'ai planté un gland. Oh. J'en ai encore un pour si on, la quête qu'on l'aura. Ici. Hop. Ah oui, on peut faire des petits chemins aussi. Et des petites jardinières. J'ai planté ça. Oh là là, ça devient de la chaleur éprouvante. Bah mets-toi sous le... sous l'établi là, enfin... Oui, va faire dodo. Je vais faire dodo avec Broudaf. Oula, dis pas ça trop fort, le signe va me sauter dessus. comment qu'on fait dodo déjà? Voilà, se reposer jusqu'au crépuscule. Bien, hop. Parfait. Et soif. Ah non, au secours. On se fait attaquer. Ha ha. Ah bon voilà, alors, c'est une petite plante. Ils sont un peu soif. On va manger un morceau aussi. Ce que je voulais faire. Outre. Je te propose d'aller faire l'une des quatre qu'on a là. Moi j'en ai une d'office, c'est viser la lune, mais. Ouais, ça me va. J'imagine qu'on doit en avoir d'autres. On a les fragments de Vidias aussi. Ouais. Ça c'est la quête principale. Ouais. Bah autant faire la quête principale. Ça me va.
Voilà, et donc faut viser les comètes qui sont là-bas. Oh là là, des comètes. Est-ce que j'ai pris de quoi manger? Pas trop. Bonjour, petit cactus. Donne-moi une fleur. Merci, petit cactus. Parce qu'il paraît que j'ai faim. En plus. Ah ouais. Déjà. Ah ça, la bouffe, ça va être un petit peu compliqué au début en multi. Ouais. Hop, on va grimper sur les murs. D'ailleurs, ça va peut-être nous valider la quête pour grimper, si on va chercher les comètes. C'est possible. Bah là, j'ai eu des messages de Vidias, donc je dirais que oui. Grimpe, cocotte. Attends, je vais me mettre les gammas quand même, parce que les gens, sinon, ça va être très sombre. Voilà, hop. Alors on voit le côté pratique, hein. Broudaf il grimpe avec son miroir, moi je grimpe avec mon outre. Ah, je sais que le truc est à côté et qu'il y a des monstres, alors j'anticipe. Chacun ses priorités. Toi t'es une poche, tu penses qu'à boire. Qui nous dit que c'est vraiment de l'eau qu'elle a dans la gourde? Ah ça, tu ne sais point. Oh là là, c'est tout rose. Hop là. Alors, faut faire gaffe aux petits cristaux là. Oh, ils essayent de nous attaquer. Là-dessus, ils peuvent aussi nous empoisonner. Oh non. Je veux pas. Non mais pourquoi je grimpe là-dessus? Moi, je veux pas grimper là-dessus. Je vais essayer de faire le petit monstre. Vu qu'il cible toi, essaie de lui renvoyer son, ouais, son laser. Le... Ah, punaise, pas réussi. J'imagine que. Même pas. Ok, je vais. Faire ça. Ah. Tiens, je lui ai renvoyé. Trop fort. Rodolphe, il est trop fort. Hop là, on libère l'esprit. Il y a quoi? Oh, il y a plein de trucs intéressants ici. Voilà. Donc il faut aller faire le suivant. Oui, effectivement. Non, non, les cristaux, on en... Ah, on peut les tuer? Ouais. J'avais même pas qu'on pouvait les tuer. Oh. Bon, par contre, il m'a empoisonné, mais... Ouais, et on n'a pas encore de quoi faire les trucs pour retirer le poison. Eh ben, je vais espérer juste pas crever, c'est tout. Oui, après la mort, c'est qu'une étape. Hein. Oui. Ah, le petit champignon. Tu me suis? Ouais. Bah l'autre? Ouais, il dure combien de temps ce putain de poison? Bah moi aussi je suis empoisonné. Mais je peux planer. Oh, je peux planer. Je suis jaloux. Ouais, grâce au petit champignon brel là que j'ai looté. Oh, je suis jaloux. Alors ça dure pas longtemps. Hein. Mais je vais crever, c'est pas possible. J'ai des trucs pour me donner de la santé là. Bah la nourriture ça t'en donne. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'est... Ah t'es encore tout là-bas, d'accord.
Ouais, j'arrive. Moi, je peux pas planer, hein. Je suis obligé de descendre la falaise. Ouais, je sais. Après, tu peux sauter et te raccrocher à la falaise. Ah oui, et tu peux aussi te casser la gueule, lamentablement. Oui, oh, tout de suite. Oh, ça y est, le poison est parti. Mon dieu, il me reste je ne sais pas combien de PV. Que c'en est ridicule. Alors, brouille. C'est peut-être pas là-bas, j'ai vu un truc rose, mais non, c'est pas le départ des comètes, je crois que je suis pas parti dans la bonne direction. Ah oui, t'es parti vers... Là où elles arrivent et non pas là où il faut qu'elles partent. Après, il y en a une tout droit maintenant, au nord-nord-est. Bah, on n'est pas obligé de faire les points en même temps, hein, si non. Tu veux gagner un peu de temps, ouais. Faire chacun le... Bah surtout que je suis en train de me dire que je passe pas très loin de chez nous, donc je peux peut-être un petit peu genre remplir mon outre et genre planter des trucs. Ça pourrait servir à remplir l'outre. Et si t'arrives à trouver des plantes comestibles matures. Moi je vais aller faire celle là-bas. Un petit fragment d'os. C'est toujours ça de prix. On va remettre tout ça dans les rangements. Ouais, j'en ai fait qu'un pour l'instant de rangement, mais bon. On a quand même pas mal d'espace de stockage sur nous. Je sais pas si c'est illimité ou pas. Bah après ça dépend, t'as des trucs qui périment aussi. Ouais. Et pas de pas ce qu'il faut pour la tombe brisée. Il est déjà 2h du matin. Ouais, ça passe super vite. Je pense que ouais, en termes de nombre de jours, ça va. Assez vite. Je voudrais planter ça. Du silex et du grès, parfait. Ça, on peut le manger, oui. Voilà. Il faut arroser, bien évidemment. Ou alors il va falloir commencer à terraformer. Alors ça y est, je suis arrivé au. Ouh, punaise, j'ai fait. Tu meurs pas. Ouh, aïe, aïe. Je vois ta jauge de vie, elle baisse. J'étais aussi tombé dans le trou, je pensais pas que c'était aussi haut. Ah. On va aller manger un truc. Ça, ouais, c'est pas top. J'ai un gland. Tu
suis empoisonné là ou quoi? Je comprends pas. Perdre la vie. Oh non, Broubrou, perds pas de vie. Bah là, j'ai pas trop le choix. Bon, on va essayer de se le faire en vitesse. Broudaf est mort. Ah non, il suis mort même. Quoi? Broudaf. Alors je suis ressuscité mais avec 0 point de vie. Ouais. Bah normalement ça remonte, non? Non, et j'ai pu Ouais, par contre, t'as perdu tout ton inventaire, normalement. Il va falloir aller le chercher. T'es sérieux? Ouais. Bon. Il est 5h10, ça va pas être possible d'aller en faire une, je pense. Par contre, on peut lui rapporter le fragment de cristal. Souvenir obtenu sur des sables. Voilà, la quête pour agrandir la source et la quête pour le déplacement rapide. Alors, les quêtes, elles sont où? Déjà, est-ce que y a des souvenirs qu'on peut débloquer? Non. Faire vite fait la quête du surf des sables. Et surfer le surfeur des dunes de sable. Ouais, les cheveux au vent. Voilà, c'est fait. Quel homme. Tu voudrais agrandir la source de quel côté, toi? Je ne sais point. Là, t'as quand même des trucs de planter. Là, il y en a moins de trucs de planter. Ce serait moins gênant si on le mettait là. Creusons gaiement. Ouais. D'ailleurs, on peut... Hop, on va ramasser les plantes. On peut la faire passer sous la racine. Ouais, on peut la faire passer sous la racine. Alors le chêne, on va le remettre à un autre endroit. Des sables, ça. Il passe où le chêne? T'as perdu ton chêne? Alors. Les rejoindre là, comme ça on aura une grosse zone. Comment ça, j'ai soif? Ah oui, moi aussi. Elle passe son temps à se pochetronner. Igloo, igloo, igloo. Ouais.
d'ailleurs, niveau bouffe, j'ai des choses ou... Oui, un petit peu. Ah, okay. Moi, du coup, j'ai plus rien. Non, je voulais pas le bouger, le panier de mangement. Je voulais mettre des trucs dedans. Ah, regarde nos plantes. Vu qu'on a bougé au niveau de la source, il y a des plantes qui étaient dans le... dans la terre et qui sont plus, a priori. Bah, les cocottes, vous exagérez. Après, il y a moyen de... d'augmenter le truc de terre. Hein. Avec de l'engrais. L'herbe des sables mortes. Voilà, file-moi ta fibre. Hop. Non, mais si je peux pas interagir, je me prends. Buisson d'aguépine qui est mort. Je peux pas la prendre. Non mais... du bac à compost. J'ai rien à mettre dedans. Et au niveau du panier, on a des trucs. Donc t'as mis la clé et les ossements. Ouais. D'accord. Je me suis dit que si je devais mourir, mettre la clé en sécurité, ça pouvait être une pas trop mauvaise idée. Non, normalement tu la gardes sur toi dans ces cas-là. Bon, ça fait déjà une demi-heure. On fait quoi, des épisodes d'une demi-heure ou trois quarts d'heure? On peut faire un peu plus, je pense. Trois quarts d'heure alors? Ouais. Ok. Il fallait nous récolter des trucs. Parce que bon. Un épisode entier à planter, arroser. Ouais, à se vautrer pour moi aussi. Oui. Voilà, un petit peu de bois et de fibres. D'autres plantes qui ont besoin d'un peu d'eau. Ah oui. Si ça va. Si t'as des graines de blé, enfin un truc qui ressemble au blé, n'hésite pas à les mettre dans le compost. Ça va nous faire de l'engrais. Ok. Parce que je pense que c'est des graines d'herbe des sables. Et des graines et des herbes des sables, on en a suffisamment, je pense. Hop, donc ça, voilà. On va boire un coup. Je vais un peu plus vite, ok. Je
vais faire simple. Pour l'instant, je vais planter mes graines. Ouais, parce que le chemin, il va nous prendre du bois et on en a pas des masses, ouais. Du bois. J'ai faim. J'ai de quoi manger au moins. Oui. Mais ça commence à être la fin de ce que j'ai à manger. Ah bah moi y a plus rien. Faudra qu'on aille chercher ton cadavre. Ah ouais, parce que là je viens de trouver un truc de cactus, mais il y a plus de 200 heures avant de pouvoir les récolter. Bah ouais. C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'au début, effectivement, j'ai envie de dire encore pire en multi, il n'y a pas beaucoup de ressources à manger. Le temps que tout ça, ça pousse. Hein. Ouais, j'essaie d'aller voir là-bas, peut-être que personne ne l'a pris. Voir. Du lot qui lui reste. Ouais, non. Il a déjà été bouffé celui-là. J'ai du cuivre. Ok. Silex. Ok. Ouais, j'ai plus aucune nourriture sur moi. Effectivement. Va falloir attendre que tout ça, ça pousse. Poussez. Poussez plus vite. Je suis parti à l'aventure. Typiquement, les amarantes que j'ai plantées, j'en ai planté 3 du coup, elles seront mûres dans 17 heures. Donc effectivement, avec un peu d'engrais, ce sera top top. Ah bah voilà, je crois que j'ai trouvé de quoi me nourrir. Se mettre à l'ombre quand même. Alors, par ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite maison ? Toi, tu es morte. Oh, j'ai soif ! Mon Dieu. Ça devrait aller, t'es juste à côté de la source. Oui. Un petit alors, peu quand même. Y a un petit coffre ici. Eh oui, mais je peux pas l'ouvrir, j'ai pas la. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. Ah, ça aurait été dommage que tu puisses pas l'ouvrir. Il semblait pas qu'il y avait de restrictions. Ben, je crois qu'il y a certains coffres que tu ne peux ouvrir qu'avec la clé qu'on a. Oui, bah je me suis. Je peux pas dire, je me doute bien que les clés servaient quelque chose, mais si. Alors, j'ai des graines d'amarante sèches et j'ai un gâteau de festival. Oh. Plus 20 en bouffe et plus et moins 10 en eau. Et un peu sec leur gâteau. Hein. Ouais. Après l'eau, tant qu'on a la source. Ouais, mais du coup, c'est un truc que tu peux prendre, je pense, en partant en expédition, parce que contrairement aux fruits, ils ne sèchent pas. Allez faire les autres. Je pensais pas que c'était si haut. Ah, mon outre est vide. Et vite. Tonifiant lumineux. Qu'est-ce que ça fait ça? 15 en eau, 30 en poison et 80 points de vie. 30 en poison?
Ouais, mais 80 points de vie, donc... Oui. Ça contrebalance le poison. Il faut peut-être éviter de la boire quand t'as qu'un PV, quoi. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Hop, un peu de cuivre. Il va falloir quand même que je pense à revenir pour qu'on puisse passer au crépuscule. J'ai rempli mon outre, je vais aller vite fait chercher le cactus que j'ai vu. Parce que, il y a un moment, il fait faim. Il se fait soif, on boit un coup. Allez, et je rentre à la maison. Enfin, tu vas me dire, dormir jusqu'au crépuscule alors qu'il est 17h. Oui, mais comme ça, on sera paré pour l'épisode suivant, comme ça. Oui. Sans moi, faut que je revienne faire mes réserves de flotte. Alors, hop. Bah, parfait, il y a des choses qu'on peut pousser. Faut piquer la graine. J'espère qu'à un moment, il y aura de l'arrosage automatique. Bah disons que normalement, tu upgrades ta source, donc elle ira plus loin, donc il y a des choses que tu seras plus obligé d'arroser. Ouais. Oh, ça y est, il y a les petites essences. Ça brille de partout. Voilà, l'herbe c'est fait. Bah toi t'es morte. Toi tu vis, toi t'es mort. Hop, petit buisson. Et j'ai déjà refaim, mais c'est une horreur. Et du coup, on a dit... Ah bah non, je veux pas me reposer jusqu'à l'aube du coup. Ouais. Graines d'herbe des sables géantes. Oh. Mm-hmm. Alors ici, j'ai transféré ça, ok. La graine de sable géante. Je vais la planter. Et Vidias qui nous dit qu'on peut faire un jardin. Bah ouais, c'est ce qu'on essaie de faire, mon gars.
jardin. Voilà, moi je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça me va complètement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vue de Chobiti sur la chaîne Les Jeux du Cygne, à mettre des commentaires, des pouces bleus, à partager les vidéos. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye.